Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons du nouveau long métrage de Julie Delpy qui se nomme Lolo. L'histoire de Lolo, pour faire simple, c'est celle de Violette, une femme de 45 ans qui a une vie assez monotone et qui, alors qu'elle est en thalasso, va faire la rencontre de Jean-René, un beauf, comme elle aime bien l'appeler, qui vont se rapprocher tous les deux, ils vont s'apprécier. Et alors qu'elle remonte sur Paris et que leur relation avance, Jean-René va faire la connaissance du fils de Violette, Éloi, qui est surnommé Lolo. Et il va se passer des choses un petit peu étranges parce que Lolo va pas trop aimer la place que Jean-René va prendre au sein de sa famille et surtout auprès de sa mère. Julie Delpy, c'est une réalisatrice française donc qui est assez connue. Et quand elle n'est pas connue en tant que réalisatrice, elle est connue en tant que scénariste, puisque ça va faire à peu près facilement une bonne quinzaine d'années, voire presque une vingtaine maintenant, qu'elle est en collaboration avec Richard Linklater, un réalisateur voilà, que vous connaissez forcément depuis l'année dernière pour Boyhood, mais avant pour Scanner Darkly. Voilà, il a fait plein de films aussi, Richard Linklater, et voilà, il a souvent collaboré avec Julie Delpy, notamment pour l'écriture de trois films qui se nommaient Before Sunrise, Before Midnight et Before Sunset. Pas du tout dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Hein. C'est pas du tout dans cet ordre-là dans lequel ils sont sortis. Et donc voilà, généralement, elle ponctue une de ses réalisations en revenant à l'écriture d'un de ses films avec Richard Linklater. Et donc là, après Before Midnight, elle revient avec Lolo. Lolo qui, sur le papier, se vend vraiment comme une comédie populaire, ce qui est surprenant de la part de Julie Delpy, puisque le dernier film qu'elle avait fait, c'était une comédie un peu barrée en plein New York avec. Voilà, c'était un univers assez barré, assez loufoque. Elle avait embarqué Chris Rock en plus avec elle. Enfin voilà, c'était assez étrange. Et donc là, elle nous revient vraiment avec une comédie populaire sur le papier. C'est exactement ça. Pour le coup, c'est très décevant de la part de Julie Delpy parce que, en soi, son univers est beaucoup trop décalé pour marcher sur le grand public. Et en voulant se conformer à des codes de cinéma grand public, elle perd une partie de ses codes de cinéma à elle. Et elle livre un film qui n'a pas d'identité réellement et qui se cherche. Qui se cherche déjà au niveau de l'écriture, puisque le scénario est signé par Eugénie Granval et Julie Delpy. Le scénario est écrit comme un thriller, en fait. C'est assez étrange, mais on va dire que toute la construction dramaturgique du film se fait comme une grande mise en tension qui va monter en crescendo tout au long du long métrage. Et on n'a pas cette sensation que c'est une comédie réellement. C'est ça qui gêne, en fait. Elle l'a avoué elle-même, parce qu'on a eu la chance de la rencontrer, elle a avoué elle-même que si elle enlevait certains morceaux de film, ça devenait vraiment un drame, ça devenait vraiment un thriller. Et elle a juste rajouté des petites séquences, et ces petites séquences, elle l'expliquait, c'est les séquences qui ponctuent les scènes où on voit Lolo sourire. Et voilà, en fait, elle a dit que si elle enlevait ça, on avait vraiment la sensation que Lolo était une tête de psychopathe et qu'il voulait absolument buter tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui se dégage dessus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quel moment rire, même si voilà, les rires viennent un petit peu tout seuls pour certaines personnes. Mais voilà, c'est pas parce qu'on rajoute Danny Boone entre guillemets que ça veut forcément dire qu'on va se taper cul par terre et que ça va être Bienvenue chez H.T. 2 avec un psychopathe qui veut buter Danny Boone. C'est voilà, c'est vraiment perturbant au niveau de l'écriture parce qu'on se retrouve vraiment avec une galerie de personnages en plus qui sont très peu attachants. C'est-à-dire que le personnage de Violette n'est pas forcément, on va dire, le personnage central au niveau de l'immersion et de l'émotion, même si il est montré comme le personnage central. Ça devrait plus être Jean-René, qui devrait être au centre du récit en tant qu'on va dire ressenti, mais il n'est pas assez mis en avant pour qu'on s'attache tout de suite à Jean-René. Et Lolo, c'est impossible qu'on s'attache à lui, puisqu'il a beau avoir des motivations qui sont, entre guillemets, louables lorsqu'on arrive à la fin du film. On n'a pas la sensation qu'il a été mis en avant assez pour être le vrai personnage central du film. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un long métrage, on est purement et simplement spectateur, on n'est jamais amené à s'immerger à fond dans l'histoire, et c'est vraiment perturbant parce qu'on aurait aimé avoir plus de simplicité qui se dégagerait de l'écriture, et donc dans ce cas-là, ça aurait été peut-être plus facile de se plonger directement dans le récit, et là, c'est pas le cas. C'est vraiment dommage. Au niveau de la mise en scène, Julie Delpy, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en redire. C'est une très très grande c'est une très très grande réalisatrice. Elle s'est plutôt bien posé son cadre. Là, elle a des idées plutôt fines. Le problème, c'est que voilà, le style de sa réalisation a du mal à coïncider avec les ambitions scénaristiques. C'est-à-dire que, encore, si elle avait vraiment joué la carte du pastiche, c'est-à-dire qu'elle était partie vraiment d'un postulat de film, on va dire, d'invasion, entre guillemets, enfin de voilà, de manipulation, où vraiment le personnage de Lolo se serait mis à manipuler Jean-René, et là, elle serait vraiment allée à fond dedans, et elle aurait été limite sur la fine barrière entre la parodie et le pastiche,
ça aurait peut-être été vraiment fun au niveau de la mise en scène. Or là, on sent trop qu'elle veut mettre son film en scène comme une comédie classique, et donc résultat, ça marche en soi, c'est plutôt simple, c'est plutôt efficace, c'est plutôt dynamique comme manière de mettre en scène le film. Mais il manque cette chose, il manque ce petit truc qui aurait dû faire en sorte que le film sorte du lot, sorte vraiment de sa coquille et vraiment s'assume pleinement en tant que dérivé. Et voilà, on n'a jamais cette sensation-là, on a simplement la sensation de regarder un film qui est assez joliment mis en scène, mais voilà, qui est trop classique, qui est trop facile, qui est voilà, trop lancinant au niveau de ses images, qui a tendance à vouloir étirer le rythme. Enfin, le film est assez long, c'est un petit peu gênant, on va dire que le film s'étend vraiment, prend des longueurs, prend des instants de pause qui sont pas vraiment, subtils, et voilà, on est vraiment perdu. Et puis voilà, le dernier acte est vraiment trop long, il met beaucoup trop de temps à se mettre en place et on a la sensation qu'il s'étire vraiment trop. C'est vraiment pas le point négatif principal du film parce que ça reste le scénario, mais ça pêche un petit peu là-dessus. Au niveau des acteurs, alors pareil, c'est un petit peu moyen au niveau des acteurs, c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il y a beaucoup d'acteurs qui surjouent. C'est-à-dire Karine Viard, par exemple, est insupportable dans ce film. Elle en fait beaucoup trop et elle joue beaucoup trop bien la bourgeoise chiante et énervante. Et ça se ressent trop et c'est presque horripilant et en fait, elle en fait trop, elle en fait beaucoup trop. Elle le jouait beaucoup mieux dans d'autres films, L'amour est un crime parfait, par exemple, elle était beaucoup plus subtile et elle joue pourtant ce type de personnage. Voilà, ça gêne vraiment parce qu'on a la sensation que Karine Viard aurait pu bien mieux jouer que ça et là elle se pousse pas assez. Danny Boone est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il en fait des caisses et ça passe, donc il joue plutôt bien. Il est plutôt bien dirigé par Julie Delpy parce que voilà, il s'auto-parodie dans un sens et ça marche plutôt bien. Vincent Lacoste est excellent, vraiment excellent cet acteur-là. Enfin voilà, est-ce qu'il avait encore besoin de prouver qu'il est excellent? Pas du tout, mais il le prouve encore une fois et c'est fou. Et Julie Delpy, pareil, elle est un petit peu en demi-teinte, un peu à l'égal de son film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a la sensation qu'elle surjoue, il y a des moments où on a la sensation qu'elle est très, très pure, très simple, très poétique dans son jeu. Et voilà, on est vraiment torturé parce qu'il y a vraiment des moments où on a la sensation qu'elle joue, qu'elle est complètement à côté de la plaque. Donc voilà. Donc voilà, Lolo, c'est vraiment moyen, quoi. C'est pas une comédie populaire totalement assumée qui aurait pu être fandard. Et c'est pas totalement un film d'auteur avec des ambitions assez certaines. Qui aurait pu être intéressant. Donc voilà, on se retrouve vraiment le cul entre deux chaises. On a un scénario qui n'est pas du tout équilibré et qui ignore complètement les codes du genre qu'il essaye d'aborder. On a une mise en scène qui ne s'assume pas totalement dans le genre qu'elle essaye d'aborder et qui n'essaye pas de le dériver complètement. Et on a des acteurs qui sont un peu moyens, même si dans l'ensemble, ça passe. Mais voilà, c'est le lot de Julie Delpy est un film moyen, tout simplement. Donc à vous de vous faire votre propre avis. Ça se trouve, vous pourriez aimer. Ça se trouve, vous allez détester. C'est impossible de savoir pour vous, donc allez-y et vous verrez, tout simplement. À plus !